petite attaque sur le flanc gauche dans ce coin-ci. Alors, comment bouge-t-il? Ok, il s'écarte un petit peu, c'est parfait. Ok, ils ont l'air tranquille à ce niveau-là. Par ici, comment est-ce que ça vit? Là-bas, 73 qui sont maintenant. 73, c'est un beau paquet ça. Bon, allez, pas de bagarre. Que des caresses envers tout le monde. On a perdu de la relation. Et on a encore un point avant que nous passions au maximum. Powerbanks, ça c'était le civil. Les missiles, on a terminé l'orgue de roquette. Un medium aircraft, IVMG Infantry. Je crois que c'est moitié-moitié infanterie et MG. Je vous montrerai sur le forum où trouver toutes les choses différentes. On a un dominateur. Ça, je pense que c'est plus 20 en militaire. Excellente chose pour nous. Tout leur infiltration, l'infanterie plus 40 et moins 30 en défense. Tout oui, on en a déjà une, je crois. Expel Diplomate, Senspy, zéro retirement, parfait. On n'en avait plus un projet de zoo, un paladin et un autre projet de zoo. On doit faire plus de mining. Voilà. Ok. Regardons vite fait si ces gens-là ne viennent pas trop près de nos zones et. Zandmark, ok, tout ça c'est Zandmark aussi, donc Zandmark, Oloron, donc Zandmark tient bien le coup, par contre ici c'est où c'est Zandmark, ceci c'est Robespierre, Catillo, attention à Catillo, ce sont des mineurs, mais ils sont encore très loin de chez nous, tout ceci. C'est Brunmark, donc on n'a pas trop de problèmes ici. Parfait, on continue par ici. On fait le petit tour. Tout me semble très bien. On a gardé cette unité ici, on a gardé ceci également. Et tout est correctement réalisé. On va enlever ce truc là, j'ai pas besoin de voir ça. Bon, on va commencer comme d'habitude par les rapports. Je pense que c'est le plus simple ici d'avoir un petit peu d'ordre parce qu'il y a tellement de choses à faire. 96, tout est parfait. Nous gagnons plus de BP, nous gagnons plus de PP et nous gagnons plus de crédit ce tour-ci. Nous remarquons que l'Economic Discovery perd un petit peu de BP. Il faudrait donner un petit peu plus vers la recherche. On va faire ça sans doute tout de suite, mais on vérifiera quand même s'il n'y a pas c'est pas fait automatiquement dans nos décisions. Nous n'avons pas de problème au Staff Council. Nous avons le même problème en disque découverte ici, qui est 29 BP de trop, qu'on pourrait redescendre vers la recherche. Le modèle design, c'est bon. Les majors diplomatie, c'est bon. Mais bientôt, ça va être également modifié. Donc tout ça, ça fonctionne. Alors, on a des issues urgentes, des relations. Non, tout ça, pas de problème. Bon, ça, bien entendu, on se doute qu'il y a un peu de pépin de ce côté-ci. Le cabinet me semble en bon état, très bon état même. Il n'y a que ces trois petits personnages-là, comme d'habitude. Les factions sont toutes à 88 minimum.
Les demandes, nous n'avons besoin que d'augmenter nos industries. Ok. On va checker notre pognon, comment ça tourne. J'ai donc des imports, voilà, 285 et 225 en export. Rien que ceux-là me font 500 crédits, ce qui est magnifique. Et donc, on a gagné 400 crédits, c'est très bien. Ensuite, regardons les cultes and the sects. Alors, l'apocryphe. Donc ça, là, pour le moment, c'est pas très important. Donc lui, c'est du private bonus, lui, c'est de la recherche, l'éternité, le mystique. Et l'apocryphe, c'est anti-guerre. Enfin, anti-casualty. Donc, notre policy est pour le moment nos policies. Donc, on va voir ce que ça va nous donner. On va le diminuer hein, de toute façon, parce que je sais ce qui nous attend. Victory, je suppose qu'on est toujours premier à l'aise. Oui, décision, est-ce qu'on a reçu? On n'a de nouveau pas reçu. Donc, Archie, ça on s'en fout, c'est celui qui doit disparaître, qu'on veut éliminer, Archie. Le zoo project et le zoo project aussi, c'est très bien. Bon, on n'a pas reçu de quoi que ce soit en recherche. Depuis au moins 2 tours. Ouais, la dernière fois, c'était le 25e tour. Et nous sommes le 28e. On va aller vérifier ça. Archéologie. Archéologie, est-ce que tu m'as trouvé quelque chose? Dis-moi oui. Oui, on dirait. À 93,9. On va aller voir ça tout de suite. 93,9, c'est ici. Bien entendu, tu n'es pas sur la route, mon petit. Hein? Méchante bébête que tu es. Il nous faut une route ici. On a combien de points? On a 1300 points. On a assez de points. Et il n'y a que 12 000. Un par 700. Mais ça vaut la peine quand même. On va les prendre, hein, de toute façon. Ce que je regarde, c'est comment je fais pour travailler ma ligne. R. Dirt. Non, on recommence. Comme ça, voilà. Je vais la faire comme ça, mais pour le tour prochain, on changera pour que ça ne parte plus par ici. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. T. Pull points. Voilà, à gauche. Voilà, donc ça arrive. Ça passe par ici. Toi, tu ne descends pas. Oh là. Comme ça. Donc ça peut pas aller par là. Donc ça va. Si ça vient par ici, ça viendra comme ça. Et si ça vient par ici, ça viendra comme ça. C'est exactement ce que je veux faire. Alright. Bon, il y a une chose qu'il faut quand même vérifier, que je n'ai pas vérifiée auparavant. C'est que nous avons ce qui s'appelle de l'administrative strain. Et on va regarder si c'est déjà le cas. Parce que vous, normalement, vous devez essayer de l'avoir des industries qu'à 6 cases au maximum de votre ville.
Et moi, en ayant changé tout mon système de gouvernement ici, Carreca se prend des trucs à bien plus loin que 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-ci, tu peux le prendre. Mais à partir d'ici, c'est terminé. On ne peut plus. Tu ne peux plus l'avoir. Donc, celui-ci ferait également 6. Par contre, à là, on passe à 7. Et donc, ici, on se prend à cause de ça, normalement. Du strain. Montre-moi un petit peu si on peut voir ça. À quel endroit? Administratif strain. On est déjà à 6% pour le moment. Donc, ceci, on va en repasser plusieurs à Hanson. Maintenant, Hanson, il n'a pas beaucoup, mais c'est celui qui a le plus ici de worker happiness. C'est lui qui a le plus. Et on va faire augmenter le nombre de people qui va travailler. Donc ici, il cherche de la happiness elsewhere. Ça serait intéressant qu'on puisse un petit peu augmenter leur happiness pour qu'ils essayent de moins partir. Mais il faut de toute façon que j'agrandisse sa région. Donc on va faire un petit Z. Comme d'habitude, tu vas te prendre à partir d'ici, tu me prends ça. Voilà, jusqu'à 6. Par contre, par ici, c'est pas un problème, hein. Ça peut aller plus loin du moment qu'il n'y a pas de. Du moment qu'il n'y a pas d'entreprise. C'est surtout les entreprises, hein, qu'il faut faire attention. Donc, 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. 6 cases. Toi aussi, tu viens dans le giron. De notre ami, voilà, et toi également, sauf tout ce qui est privé. Tout ce qui est privé, ça on s'en fout. Ce qui veut dire que dans les assets qui sont ici, ceci c'est privé. Donc on va le laisser pour Wilhelmnitz ou pas. Wilhelmnitz a déjà, je pense, au niveau privé, il a une ferme dans la cité qui lui donne 1332. On va regarder dans nos villes comment ça fonctionne pour répartir correctement la nourriture, parce qu'on va avoir quelques petits pépins, je crois. On va regarder si on peut voir ça dans nos zones. Donc, pour le moment, Carreca, on voit qu'il a 24% sur l'huile, ok, et un truc d'agriculture à 74%. Un oil qui est mothball, un métal qui est mothball, et un recycling qui est en construction. Elle est private assets, une ferme, une communauté ici est suffisante pour lui-même. Les ressources détaillées news. Voilà, c'est ça qui m'importe pour l'instant. J'ai besoin de voir tout ce qui est au niveau de la bouffe. Voilà. Donc là, c'est la conversion. Mais ça, c'est pas tellement important. Ce qui m'importe surtout, c'est le nombre de consommation de food. J'ai 1055 food pour combien de people? 1055 food, 1055, c'est ceci. Donc c'est ça que ça bouffe. Pour 105 000, c'est 1055. Alright, ça c'est un. Donc j'ai besoin à
Hanson, en food, en assets privés, il a besoin de 1332, 1335. Il lui faut 1355. Il lui faut 1355. Et il fait 1332. Donc il en manque 20, ce qui est insignifiant. On devrait les récupérer. Sauf que ce coup-ci, on est en été, donc on devrait avoir plus. Et il a 80 points, donc il a perdu un petit peu. On va regarder combien. Il a perdu 13% à cause du damage. Donc 30 sur 1300, ce n'est pas énorme. C'est que 1%. Non, c'est 3% à peu près, donc c'est pas important. All right. Ok. Donc on a assez avec cette ferme-ci. On peut donner cette ferme-ci à Fultrange, qui elle a besoin de, parce qu'elle n'en a pas, Fultrange a besoin de 718 de nourriture. Ceci va me donner 850 de nourriture. Donc il faut que ça devienne à Fultrange dans tous les cas. Donc, on est toujours dans le Z, si je ne me trompe pas. Non, ça c'est Hanson. Ça c'est Fultrange. Ok. On redonne à Fultrange pour qu'il ait deux cases. Voilà. Et il te faut encore une case ici pour pouvoir remonter par ici. Malheureusement, il va prendre Engine Fire, mais j'ai pas le choix. Et il a encore besoin de prendre ceci. Et il est obligé de prendre Dreba, mais pas obligatoirement plus longtemps que ça. Il me faut une route. Non, on a une route qui passe par ici. Et donc qui va remonter par là, vers Fultrange. Donc maintenant, ceci appartient à Fultrange. Et devrait pouvoir donner de la nourriture. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le travailler. All right. Je pense. Hein. Alors, de toute façon, à Wilhelmnitz, on va prendre tout ce qu'on veut ici, tout ce qu'on peut d'ailleurs, et on va dire que Wilhelmnitz, non pas pour le moment, mais Wilhelmnitz va prendre ceci. Donc on avait dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, tu n'es pas obligé de prendre ça. Je préfère que ce soit toujours Hanson. Bon, Hanson, on va lui redonner ceci. On va également... Mais ça, oui, je peux le faire. Je lui prends Breda aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Et je viens sur ceci et ceci. Voilà. Comme ça, ça appartient, tout ceci appartient de nouveau à Hanson. Hanson, par contre, ne va plus avoir assez de people dedans, ça c'est sûr et certain. Par contre, donc, ici, je peux le garder, hein, aucun problème. Donc, Fultrange, Hanson, tu vas d'ailleurs lui repiquer un petit peu toute cette position-là. Et... Moi, je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. Je veux dire, ça devrait se faire, j'espère. Bon, il va falloir du monde. Ce n'est pas la peine maintenant, donc on repasse en I, ce n'est pas la peine d'envoyer des gens ici dedans, à Wilhelmnitz, en people, bien que les workers vont foutre le camp. Hein, ça, il ne faut pas rêver, quoi. Donc, il ne faut pas trop rêver d'avoir ceci qui nous donnerait de beaucoup de monde, je vais dire. Donc là, il va me falloir, il y a 700 personnes dedans, mais ouais, il utilise 700. Mais c'est pas sûr qu'il me donne beaucoup de power. Ok.
Donc, j'ai fait tout ça. Je vais envoyer le seul endroit où il y a des gens qui sont bien, c'est ici. Je vais donc envoyer tout mon people 600 que je vais mettre à Hanson en tant que coloniste. All right. Je vais également. Alors, Hanson, pour le moment, tu donnes. Ils sont payés 2 et moi je les paye 3. Donc ça va augmenter encore de 1 ici. Malheureusement, on va augmenter le nombre de personnes qui vont quitter Carreca. J'en envoyais un petit peu plus parce que je vais devoir besoin de répartir un petit peu plus de population là-bas. Ce qui veut dire que on vérifie d'abord combien tu payes. Tu payes 4 crédits, tu payes 3 crédits. Ok, on va avoir donc de nouveau maintenant trop de people puisque tous ces gens-là ne seront plus part de nos amis Carica. Donc je vais appeler le gouverneur. Je vais appeler le gouverneur. Je te call. Je te fais un petit zone order. On va diminuer un petit peu le nombre de recrues. On n'a pas besoin de tout ça. Pour le moment, on en a beaucoup. Et on va augmenter le nombre de recrues par tour à... Pour le moment, un 500 personnes, je crois que c'est une bonne idée. Et je confirme, eux, ils n'ont aucun problème à ce niveau-là. Voilà. Boum. Eh bien, on voit qu'on est maintenant dans... Mais on va finir nos petits trucs d'abord. Je veux d'abord être certain que je ne fais pas de bêtises. On va continuer avec nos... Personne ici dedans. Wilhelmnitz actuellement, tu payes 0,1 crédit. Ils sont payés 0,1 crédit. Et moi, je les paye 2 crédits, ce qui convient. Ici, on est à 0 crédit et je les paye 1 crédit. On va augmenter de 1 crédit tout le monde. Et on va aussi regarder ce qu'il nous construit. J'ai besoin de savoir ce que tu nous construis aussi, ça c'est important. Ton custom, c'est parfait. Foltrain, je voudrais que tu me construis un transport hub. Parce que je t'ai mis que tu recevais de la bouffe. Le fait d'avoir mis que je te donnais de la bouffe en émergence, en urgence, eh bien ça a modifié. Parce que maman, il voulait construire une ferme. Mais bon, maintenant, comme je lui en ai donné une aussi, donc ça ne devrait pas poser de problème. 13 000 habitants et toi tu as 18 000 habitants. On va augmenter un tout petit peu pour le moment pour les aider à augmenter ici. On va augmenter de 1 crédit. Je t'appelle mon ami. Zone order. On va augmenter. Ça va pas être énorme, hein, mais je vais augmenter de 1 crédit pour le moment ici. Et je ne veux pas de tout ça. Je fais OK. Donc ils ont gagné un petit peu de points, mais c'est pas encore énorme. Et à Foltrange, on va également monter de 1. Call. Zone order. OK. Et on augmente de 1 aussi. Ce qui va augmenter un petit peu là le plaisir de ces gens-là. Ensuite, Hanson, j'ai besoin que tu augmentes aussi un tout petit peu là pour le moment. Tu n'as quand même que 8 000 personnes. Quand tu seras beaucoup plus haut, eh bien, on te mettra le petit changement.
Donc, je n'ai pas encore fait le changement ici. Hein. Salaire 0,3, salaire 0,2. Donc, on t'appelle également, hein, call, même si ça me coûte beaucoup de pépé, tout ça, mais c'est pas très grave. J'ai besoin de faire un peu de plaisir. Confirme. Boum. Je me demande si ça change des trucs, tiens, à ce niveau-là. J'aurais dû regarder avant, mais je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Mais de toute façon, c'est Wilhelmnitz, oui, et Fultrange. Est-ce que j'ai bougé à Fultrange déjà? Je crois. Income 0 crédit, je suis à 2. Salaire 2 crédit, ok. Donc ça, c'est. On est passé en vert maintenant, à ce niveau-ci. 80 000 personnes, 150 000 et 64 000. Ok. Nous avons fait nos REP. Nous allons maintenant travailler nos décisions. Donc j'ai fait tout ce qui était au niveau de la bouffe. Sauf qu'il va me falloir de la bouffe pour mes militaires aussi. Et mes workers. Militaires et workers. Et ça, je vais le voir comment? Je vais le voir dans. Ça m'étonnerait que je vois ça ici dedans. Dans l'overview. Est-ce que je peux voir au niveau de mes forces? Non, je dois regarder. Est-ce qu'on voit la bouffe dans Carreca, par exemple? Ici, est-ce que tu me dis que tu as donné de la bouffe à nos ouvriers? Ça, c'est la population. Consommation 1055. Mais les workers, voilà. Les workers consomment. Ici, 586 de food. 586 de food à Carreca. De nouveau, on les a ici. Ok, j'ai dû perdre 200 personnes pourtant. Recruter 200 recrutes from workers to the military. Ok. Donc on voit ici le nombre de workers. Que je dois moi-même fournir de la food à partir de mes usines, mais des usines publiques, pas privées cette fois-ci. Et donc on sait qu'on a besoin en tout de 58 400, 68 400, 76 700, 76 700. 86 000, 89 000, 90 400 et enfin 90 400, 98 000, 99 200, donc 100 000. Il me faut donc 100 000, ça fait 100 000, ça fait donc 1 000 bouffes. Il me faut 1 000 bouffes, que je fabrique 1 000 bouffes uniquement avec tous mes assets. Regardons nos assets. Il me faut 1 000 de bouffes, mais que je sois sûr de réussir, de faire. Donc on a pour le moment ici 526, plus. Plus 352. Je pense que la meilleure chose à faire. Bon, on a également quoi d'autre? Hanson, est-ce que tu as de la bouffe? Tu n'as pas de bouffe. On oublie tout ce qui est petite bouffe qui vient de là, hein, bien que, donc tout ça, c'est. Il nous donne 278, hein, lui. Il nous donne 278. Fultrange, t'as rien. Maintenant, t'as ta ferme, hein, mais tu dois te débrouiller tout seul avec. Et. Wilhelmnitz, attention, biofuel, Temozbol, ok. Alors,
Donc de nouveau là, on n'aura rien. Ok, et il nous reste donc carré K et Hanson. C'est tout ce que nous avons pour le moment. Hanson, tu n'as rien à part 278. Non, mais il faudra encore 278 uniquement avec mes fermes. Normalement, on est 500 là, plus 500 là, normalement rien que ceci à 100%. Alors, gouverneur modifie par 4, 42. Ici, gouverneur modifie par 51 plus 5%. Donc celui-ci est plus intéressant que celui-ci. En plus, lui, il consomme de l'électricité. Donc on va augmenter. Toi, tu es à 25. Toi, tu es à 75%. Comment ça se fait? Tu consommes moins de personnes, toi? Mais tu es au niveau 2, c'est pour ça. Alors, 10 000 workers. Produit 500 food, niveau 2. Niveau 3. Niveau 2, 500 food, c'est le même. 900 food. En niveau 3 avec 19 000 workers, 900 food, 900 wood avec 15 700 workers, 15 700 workers, 19 000 workers. Ça consomme beaucoup plus de monde. Ça consomme 3 300 workers en plus, mais ça ne bouffe pas d'énergie. Et mon énergie devient aussi un petit peu juste pour le moment. Bien qu'on va pouvoir y remédier quand même. Écoutez, on va pour l'instant, même si ça me consomme de l'énergie, je vais te mettre à 100%. Et toi, tu vas rester là. Donc en preview, tu vas me faire 620 et 300. 620 et 300. Ça devrait me faire 900, à peu près 900. 900 plus ce que je reçois de mes ici. Donc là, on devrait être bien. Au niveau de l'énergie, je veux voir maintenant l'énergie. Je veux pas voir ça, je veux savoir. À Wilhelmnitz. Est-ce que le solar panel, hein, il faut pas trop compter dessus. Pas trop compter dessus. Donc, énergie. Tu produis 224. Carica. Tu produis 223. 223 et 224. 447. Mais on va avoir besoin de beaucoup plus, hein, puisque toi, tu as fini. Tu vas me consommer. Rien, 600 d'énergie. Ok, je vais faire le. Donc on a 750 d'énergie. On va augmenter chez Voltrange à 7. J'ai mis le power plant ici en mothball. On va pas le mettre en mothball, on va le laisser en active et on va te mettre seulement 25%. Combien est-ce que tu consommes? Tu me donnes 500 d'énergie, donc ça devrait me faire 125 d'énergie pour 250 workers et 125 fuel. Fuel, nous en avons sans problème.
Ok, donc ça va me donner 125 d'énergie supplémentaire. Disons qu'on va même carrément monter de 2. On va te le mettre au niveau 2, comme ça on pousse un petit peu plus nos réserves, puisque j'ai le droit d'en mettre 2200. Je pense qu'on va un petit peu pousser dedans si on peut, et puis après je le supprimerai. Enfin, je ne le supprimerai pas, je le mettrai en mothball, quoi. Voilà. Voilà ce qu'on va faire, je pense. Ensuite, Wilhelmnitz, là, tu vois, tout ça va augmenter aussi, hein, puisque quand vous êtes abîmé comme ça fait moins de production. Mais normalement, je pense que ça consomme un peu moins aussi à ce moment-là ou pas. Non, 20 d'énergie, tu bouffes tout quand même. Donc tu payes 20 d'énergie, malgré tout, tu n'es limité à 40%. Mais bon, on va les laisser quand même, hein. Bien que l'industrie, pour le moment, a laissé se réparer. Il n'a plus que 80 points, donc il ne restera pas grand-chose de cassé. Par contre, ici, comme on peut le voir, il est cassé à 284. Et il y en a pour un bon bout de temps avant de récupérer. Mais comme il n'y a presque personne dedans. Ok, donc mes assets, là, c'est correct. On va passer un tour au niveau des assets avant de construire quoi que ce soit. Je construirai ici par après. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. On va maintenant essayer de repousser tous les gens qui sont à deux cases de toutes nos choses. All right. Donc les assets, c'est fini. On passe dans les décisions. Et nous regardons donc les décisions nationales. On va commencer par une nouvelle demande. Tu veux que notre morale atteigne 89, on est à 86, on va accepter ceci. Peut-être pas tout de suite, on va voir si on ne va pas d'abord en créer des nouveaux. Ce qui va peut-être faire diminuer. Ah non, c'est archivé ça. Donc que ce soit oui ou non, c'est archivé. Ça ne changera pas, ça sera toujours ça. Ok, on va accepter la demande, mais aucun problème pour ça. Alors, meeting en apocryphe. Alors, chaque culte a son truc spécifique, dirons-nous. Et donc, l'apocryphe, eux, c'est militaire, hein, puisqu'ils veulent nous donner de l'aide. Du pouvoir offensif avec leur fils. Et en même temps, ils tuent notre personnel, bien sûr, et ils diminuent la casualty. Donc, eux, ils travaillent avec Enforcement, c'est comme ça que ça s'appelle, je pense. Donc, l'Enforcement, hein, et l'autocratie. Donc, en disant, va te faire voir, je vais perdre de l'autocratie et je vais perdre de celui-ci. Par contre, nous avons deux autres cultes, un qui s'occupe de cultes et sectes, on les prend ici. Alors, un qui me donne de la recherche et l'autre qui me donne du privé de bonus. D'accord? L'Eternity Movement, ok, la recherche. Le problème, c'est que si je demande d'améliorer ma relation avec eux pour avoir plus de points, ça va automatiquement monter au moins enfin aussi sans doute de plus 4 mon mind. Vous voyez? Et je veux pas augmenter mon mind, je veux le diminuer au contraire, mon mind. Enfin, pas obligatoirement le diminuer non plus, hein, mais on voudrait bien plutôt augmenter le hurt. Et je ne sais pas si là-dedans j'ai quelque chose. Par contre, le private bonus. Lui, le private bonus, si nous regardons tout ce qui est private bonus, à mon avis, c'est société gouvernement, public industriel, non, c'est pas le private, ça. Le private, c'est le commerce. Donc voilà.
À mon avis, si j'augmente le Mystic Temple, que je fais un appel pour augmenter notre plaisir avec eux, on va avoir un plus 2, 3, 4, je ne sais pas, au niveau du commerce. Et si je fais avec ceci, j'aurai bien entendu au niveau du mind. L'autre, je ne sais pas. L'autre, je ne sais pas ce que ça donnera. L'autre, c'était enforcement. Et donc ici, notre décision, c'est enforcement et autocratie. Enforcement et autocratie. Donc, on aura sans doute, ça c'est le démocratie et le private. Voilà, démocratie private. Et autrement, l'autre, la recherche, ça va être sans doute mind et méritocratie. Sans doute que ça va être ça. À mon avis. Mind et méritocratie. Mais je ne veux pas augmenter mon mind. Donc, ce que nous allons travailler, c'est faire un appel, une stratégie. Je vais vouloir augmenter. Bon, on va augmenter ça, je crois. Montre-moi d'abord un peu le profil. Qu'est-ce qu'on a comme rush, comme bidule de fait? Donc, si j'augmente mon commerce, on va perdre cette compagnie. Donc, je ne vais pas les appeler. Aucun des deux, pour le moment. Pour le moment, je ne vais pas appeler aucun des deux. Si le gouvernement remonte dans les 50, ok, on pourra le faire, mais on va pour le moment laisser le commerce. Non, c'est le private, hein. Si j'augmente d'ici 4 points, je serai à 60. Note que 4 points, ça va. Ok, on va les appeler quand même. Je voudrais ceci. Et ça va améliorer la démocratie, qui est de toute façon supérieure à la méritocratie. Ok. On va donc nation. Nous souhaitons améliorer notre relation avec. Je ne sais plus lesquels, avec ceci, le mystique. Décision, stratagème mystique. Je t'appelle et j'exécute le stratagème. Voilà. Donc le tour prochain, on va les augmenter, ceux-ci. J'étais un petit peu long à la détente, excusez-moi, mais c'est comme ça, c'est pas toujours facile. Je dois trouver moi-même. Donc le meeting, on va patienter un petit peu puisque je veux diminuer. Mais comme lui, c'est notre chef SHQ, il faut d'abord que je me batte avant de pouvoir diminuer ceci, bien entendu. Alors, Lithium, lui, il voudrait qu'on érige une statue de moi, je suppose, mon pauvre vieux. Et on va regarder eh ben, tout ce que ça peut nous donner. Oui, non. Et reprocher. Reprocher, on oublie, bien entendu. Non, ça nous donnerait plus 4 de mind. Je veux pas de mind en plus. Je veux du hurt. Je veux du hurt et je veux du. Et je veux de ça, justement. Puisque le coup prochain, on va avoir celui-là. All right. Donc, c'est ça que je veux. Toi, tu es un directeur service secret. Il va falloir que je te bouge, toi. Hein. Mais il est assez génial, hein. Lui, il monte très bien. Il faudrait que je le mette aussi en intelligence. Mais où? On va encore le laisser monter un petit peu. Par contre, il n'aime pas le gouvernement. Ben oui, c'est pour ça qu'il perd 8. Mais c'est pas très grave. Il sera à 77 de toute façon. Et tout le monde est correct. Est-ce que je veux bouger lui pour le moment? Est-ce que je veux faire quelque chose dans les diplomaties? Je ne crois absolument pas pour le moment que je vais avoir l'occasion. 135, 62, je peux mettre un des coffres avec 102,
102, je peux lui mettre rien du tout avec lui. Non, je ne ferai rien avec lui. Donc, on revient dans nos décisions. Et lui, je ferai rien non plus. Donc, je veux dire yes, hello. Lithium increase. Lithium est déjà à 97. Avant de faire ça, on va voir si on ne doit pas lui diminuer un petit peu. Lithium, t'es le gouverneur de Carreca. Oui. Organisation. Ça, pour le moment, suprême commande. On a vu qu'on gagnait un petit peu trop, il me semble, en suprême. Pardon. Suprême commande, organisation. Regardons ça tout de suite. Si on ne dépasse pas 200. Pour le moment, non. Donc pour l'instant, je reste comme on est là. Bah no change. Voilà. Ensuite, ça, on fera plus tard. La zone décision. Demagoga, Fault Trench et Plundering, Vide Minutes. Donc elle est à 99, maintenant elle va perdre 10. Mais je pense que c'est la seule qui perd quelque chose, donc on va faire un interrogatoire sur elle. Mais il va falloir, avant cela, avoir 155, il va falloir lui mettre quelqu'un. Donc un advisor dessus. Et enfin, on a un DIP. Oui, là, c'est toujours orthodoxe. Enfin, je suppose que c'est toujours orthodoxe. Ah, Bromark. 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 58 hostiles. Et tu es toujours de l'orthodoxe. Donc, c'est pour toi. 69%. Oui, on va t'aider, mec. Orthodoxe Temple School. Celle-là, c'est réglé. Alors, allons-y, on continue. 99 plus 1. 100, tu gagnes pas puisque vous êtes comme ça pour le moment. Donc, on va d'abord vous faire descendre un tout petit peu. Toi, tu vas gagner. C'est boss, lui. Ah, ici. Ben, on va commencer par elle. Voilà. B-interrogate, je mets mon copain. On va appeler. Pardon, c'est chez Jimmy Cole. Et à Fultrange aussi. Mais Fultrange, est-ce que j'ai pas quelqu'un qui est sur toi, ma chérie? Non. Et à Wilhelmnitz, est-ce que j'ai quelqu'un qui est déjà sur toi? Non plus. Alright, on commence à Wilhelmnitz. Nous souhaitons un advisor. Allez, monte. Cabinet. Advisor. Et bien sûr, ça va être toi. L'autre ne vaut rien pour l'instant. Je te colle. Je te détache. Et je t'attache. Pars vite, hein, les points de nouveau. Hein. Je t'attache sur. À lui. Parfait. Ensuite, je reviens dans mes décisions. Donc, on commence par ici. On commence par ici. Et on diminue ces deux personnes-là. Boum, dit Chris. Ensuite, on vient ici. On autorise, puisque je veux du mind. Voilà, moins 14 pour Frédéric et moins 9 pour Brent. 9 points, dis donc. Il me semblait que c'était 5 pourtant. Ensuite, zone décision. On commence par toi, mon ami. Et tu me fais ça, interrogation. Et tu essayes de le réussir. Allez, on lance, on ne discute pas. On a fait 110 contre 95. On a réussi. Unrest n'a pas augmenté. Le worker happiness a diminué de 5%. Ça, c'est moins bien, ça. Mais je pense que de toute façon. Ah.
On aurait dû faire ça. J'aurais dû augmenter le pognon des ouvriers plus vite. Après avoir fait ça. Mais il fallait le savoir, hein? Comment pouviez-vous savoir? Bon, bah, maintenant je sais que la prochaine fois, bah, pour la prochaine fois, je ne saurai rien. On va appeler. Et on va t'attacher à gouverneur. Ok. Voilà. Malheureusement, elle n'est qu'à 97, mais je pense que et Aaron à 98. Il leur manque un point, donc j'ai fait encore ça trop vite. Mais tant pis, j'ai pas envie de retoucher nouveau 2 points, j'en ai déjà gaspillé suffisamment comme ça. 60 pour 57. Find the demagogue, comme ça on rééquilibre un petit peu les données là-bas. 71 contre 80. Unrest increased by 13%. On a perdu 1300 personnes. Le bus a gagné un point et le profile plus 20 sur les stats war. On va 3. Je pense que je vais te mettre sur lui. Lui, je veux pas le laisser là-dedans. Je l'ai mis là-dedans parce qu'on en avait besoin pour le moment, mais je vais le modifier et l'envoyer sans doute vers d'abord le staff pour augmenter et après je le mettrai en SHQ. Bien que je le mettrai bien tout de suite en SHQ, hein, je le dis tout de suite, ça me plairait quand même bien. Donc toi, ta war, tu vas l'avoir augmenté, hein, t'es niveau 5, 19 ans, on va pas avoir mieux, beaucoup mieux que toi. Hein. Donc, stratagème, hein, tu reçois dominateur, dopaminator. Dopaminator. Boum. Montre-moi comme t'es beau maintenant. T'es à 68 maintenant. Enfin, t'es à 106. Et tu auras plus 20 là dès que tu arriveras à 20, bien entendu. Bon, la vache, là, il a son aise pour envoyer quelques espions. Donc on laisse encore un tout petit peu monter. Ou pas. On va laisser au moins encore un tour, hein, parce que j'ai quand même pas trop de fric de toute façon, il y a trop de choses à lancer. On va attendre d'être un petit peu tranquille dans tout nos lancements. Et voilà. Et lui, 13, je vais pas l'utiliser tout de suite. On va pas l'utiliser tout de suite, on a encore un petit peu le temps. Et les unités, pour le moment, je n'y touche pas non plus. Alright, on a terminé beaucoup de choses. Nous n'avons plus qu'à terminer ceci et puis faire notre nouveau prototype. Bon, comment allons-nous démarrer cette petite histoire ici et comment est-ce qu'on va vivre? On a de la bouffe, on a de la munition. Pas des trop, on a 1337, on peut créer, on a 2300 people. Où est-ce que j'en suis? Dans mes OOB, non, dans mes modèles. Infanterie,
Est-ce que tu as encore. Leyline Troops, comment vis-tu? Tu as 4000 en First MG. Tu as. Là, tu ne devrais pas en avoir normalement. Ben, si tu n'as que ça, logiquement. Donc il m'en manque à la seconde light. Il m'en faut 4500 normalement et 500 pour l'autre. Donc il m'en faut 200. Là, il n'y en a pas assez non plus. Il m'en faudrait beaucoup plus. 800, il m'en faut 4000 normalement. 4000, il m'en faut 4000, il m'en faut 4000. Donc 4000, 4000, c'est bon. Cela, on les fera après. Et ici, il m'en faut de la light. Et donc, de la light, c'est 5 fois 100. 5000 normalement. 5500 en tout, non? Théo, total, 5600. 5600. Pourquoi 5600? Donc, la seconde light. Alors, oui, c'est parce qu'on a ces bidules-là. On va checker ceci. Hein. Donc, Light Infantry, Line Troops 2. Line Troops 2. Line Troops 2. Et Line Troops 2. Et le petit dernier qui n'a pas tout ce qu'il faut. Il a 700 Line Troops 1. Où est-il? Il peut avancer, lui. Donc, on va l'avancer avant de faire quoi que ce soit. Il ne va pas pouvoir attaquer ici, il resterait que 40. Mais on peut l'amener dans ce coin-ci. Ou bien ici. Je pense qu'en l'envoyant ici, on serait peut-être plus. C'est du rouge. Hein. Là, on va garder les trucs pour. Là, on a encore du rouge aussi. On va t'amener ici. Parfait. Et maintenant, je pense que là, je dois avoir quelque chose qui doit être arrivé. Donc, je pense que je peux replace. The Line Troops. Oui, j'ai le droit de remplacer mais cette Line Troops par du 2. Alright. Bon, ça c'est une bonne chose de fait. Alors là-dedans, tout est parfait. Donc on a fini normalement notre OB ici. Donc là, tout est fait pour cet OB ici. Vous deux, vous devez avoir des AG 2. Et AG2. Parfait. Bon. Toi, je voudrais peut-être t'amener par ici puisque tu es du rouge. Mais est-ce qu'on peut taper ici avec eux? Donc, vous autres. Comment vivez-vous? 82, c'est pas énorme. On sait qu'on peut lancer des avions, sauf aux endroits, bien entendu, où il y a des petites choses qui ne nous plairaient pas de trop. On va continuer à essayer de faire ça intelligemment. Hein. Et ici, c'est de l'agriculture avec. Il y a quand même ces trucs-ci. Donc c'est peut-être pas le meilleur endroit d'attaquer avec des avions là-dedans. Ni là-dedans, parce que je crois qu'il y avait ça, ouais. Alors ici, par contre, on peut y aller avec des avions. Et nous sommes à 117 de recours. On va commencer à jouer nos petits navions. Et là, on a quoi? De la light. 5.
ne devrait pas avoir pas trop besoin d'avoir ces gens-là. Et toi, mon petit, tu peux venir là. Ah, tu viens là, bien sûr. Alors, on va attaquer ici dedans. Est-ce que... Oh, j'en ai plus que deux, hein. J'ai une attaque ici, j'ai une reconnaissance de 121. On va commencer avec une air attaque tout de suite et on va regarder ce que ça nous donne. Pas grand-chose jusque-là. On a touché une fois en tout et pour tout. On a assez de recos. Est-ce que je suis intéressé ou pas, autre part, de faire de la... de l'aviation, pas vraiment. Donc on continue. Ben on continue un petit peu d'avion ici alors. Régular, range, aviation, air attaque. Toi tu devrais faire un petit peu plus de dégâts maintenant. Tu touches au premier tour et après tu tues et tu touches, tu tues et tu touches. Bien. Ok, on rentre maintenant à l'intérieur. Alors, qu'avons-nous ici? Qu'avons-nous ici? Tout le monde est en pleine forme. Et tout le monde est au maximum de ses points. Des chars. Trois points huit, qui est-ce qui est, c'est des, non, c'est ceux-ci que je vais utiliser. Donc les, et ceux-ci. Alors ceux-ci, c'est par exemple 6 contre 1 et un deuxième, lui. Toujours 6 contre 1, mais on perd 1%. Et toi, 7 contre 1. Mais tu ne perds plus. On ne sait pas beaucoup pourquoi, mais c'est comme ça. On y va. Ça se fait assez vite déjà. Voilà, ils sont finis après seulement. Il me reste 10 AP, malheureusement, c'est pas suffisant. Ils pourront plus jouer. Alors, on avance. On avance tous ceux qui peuvent avancer. Par contre, les rouges, vous restez là. Toi, tu as du 100%. Toi, tu peux avancer dedans. Puisque comme ça, tu vas encore pouvoir attaquer les chars. On ne va pas attaquer ici avec les chars, je crois pas. Montre-moi un peu. Parce qu'on a quand même une belle... Elle est pas mal celle-ci. Parce que dès qu'on va pouvoir prendre tout ça, il va... C'est une ferme, hein. C'est une agriculture. 4 en plus, tu vois. J'ai pas vraiment envie de trop l'abîmer pour le moment. Donc on va plutôt l'attaquer avec des hommes.
Et bon, il n'y a pas des tonnes de trucs. On va regarder ça. Mais alors celui-ci, comment est-ce que je pourrais l'évacuer? Voilà, il n'y a rien. Tu peux pas bouger là, dis donc, c'est chiant de ne pas pouvoir bouger là. Ni là non plus, tu peux pas bouger. Donc tu restes comme ça. Alors, nous autres, vous avez des raiders. Des raiders et des raiders. T'as pas le droit. On va créer une nouvelle armée ici, à mon avis. Mais une armée provisoire. Une armée provisoire de 5 petits bonshommes. Ok. Ici, nous avons donc 700 line troops, 1700 line troops 2. J'ai beaucoup de line troops 2. On va. Remplacer tous les line troops qui sont ici on va regarder si on peut en faire d'autres Donc la ligne là, 700, il m'en reste encore 100 ici. Est-ce que j'en ai encore? Oui. Continuez. À vous autres, 800. Voilà, à mon avis, pas grand-chose en plus, mais on peut en faire 300 déjà. Ok. Il m'en reste 500 à créer pour ici. Là, il m'en reste 800, ça fait 1300. Et ici, je n'en ai plus. Il m'en faut normalement 1300. Ok, on va en créer donc 1300. Ah, 1300. 1300. Mais je veux aussi un avion. D'abord. Et puis, j'aurais bien voulu me mettre des avions à Wilhelmnitz. Hein, puisqu'on a une station, enfin un bidule, et on va commencer à attaquer d'abord tous ces trucs-ci. Ou alors je la mets à full trench. Je peux aussi le mettre à full trench, mais. On va commencer à Wilhelmnitz. Je me créerai bien donc une nouvelle unité de Grasshopper. Ce qui ne coûte pas des tonnes. Voilà. Et on raise une formation. Voilà. C'est pour le jour prochain. Ensuite.
10 de readiness, hein, ça tu regardes, 10 de readiness, 10 de readiness, 28 de readiness, 10, 13, 31, il n'y a qu'un seul qui est un petit peu embêtant. Mais ils ne sont pas des tonnes non plus. Je pense qu'on devrait peut-être arriver à faire quelque chose là-dedans. En n'attaquant qu'avec un seul char, je pense que ça devrait passer. Montre-moi un peu ça. Ouais, ça passe. À l'aise, blaise. Parfait. J'ai eu deux messages, j'aurais dû regarder, mais enfin, c'est des messages qui me disent que nous avons normalement pété un petit peu plus l'agriculture. Je peux maintenant déplacer ce monsieur ici. Et il nous reste là-bas quelques personnes que j'aurais aussi voulu virer, et ici aussi quelques personnes que j'aurais voulu virer. Ouais, je voudrais virer tous ces gens-là, hein. Ces trois-là, plus celui-là, plus tous les autres. Beaucoup qui vont disparaître aussi très très vite. Ceux-là, il y en a 50, hein, c'est des méchants ceux-là, mais ils sont à 87 pour le moment, donc on va patienter avec lui, malheureusement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? Et ceux-ci sont 30, 42, 53, 36 et 18. Je pense que tous ces gens-là, là et là, on va devoir patienter un tour quand même. Ceux-ci, par contre, ils sont dans des ruines là, et ils sont tout seuls. 76, 28, ils n'ont que 28. Pour attaquer ces gens-là, montre-moi un peu ce que ça donnerait. Ça me semble parfait. Donc on peut attaquer ici, ça c'est sûr. Voilà, 1 contre 62, on peut l'oublier. Ici, 1 contre 14, on n'est qu'à 2, on peut l'oublier. Par contre, ici, 4,2 contre 1, ça semble assez intéressant. Et on va attaquer avec 3, 30 contre 1. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi attaquer ici. Non. On peut attaquer ici. Non plus. On peut attaquer nulle part d'autre. Ok, donc on va attaquer à cet endroit-ci. Boum. Je vais attaquer, à mon avis, uniquement avec le petit monsieur là. 30 contre 1. Voilà, mener, hein, voilà, l'avancée, tout simplement. Alright. Ok. Ce qui me permet d'avancer à l'intérieur de la ruine, qui est quand même un endroit beaucoup plus intéressant que de rester où on est actuellement. On va déplacer également, au moins ici, toutes nos unités bleues, vertes, rouges. Notre brune ici.
On va aller attaquer ceci, je pense. On a de la défense à 43, à 62, mais c'est en attaque, donc ils perdent 75 de défense. Ceux-ci, ils ne sont qu'à 11, et ceux-ci sont en attaque aussi. On peut leur rentrer dedans. On peut leur rentrer dedans. Toi, tu ne vas pas rester là, mon ami. Tu vas donc déjà monter ici avec ton copain en mobylette. Qu'est-ce que ça donnerait, ça? Il y a tellement de gens qui peuvent attaquer. Du brun, du brun, du brun et du brun. 1,7, c'est un peu juste, hein. Je suis à 40% avec ça. Avec du jaune en plus, par exemple. Points 8 et celui-ci 3,7, celui-ci 6. Donc j'utilise tout ça et il me restera cela au-dessus pour attaquer là-bas. On attaque un zoom out. Next. Voilà, ça se passe pas trop mal. Je dirais même plus que ça se passe extrêmement bien. L'avantage. Bon. Vous autres, est-ce qu'il y avait, il y a rien là-dedans? Donc on peut commencer par un 148 de reconnaissance. Nous allons débuter avec une petite range attaque, déjà qui va être pas mal du tout. Next. Ça va faire du bien d'enlever un petit peu toutes sortes de points là-bas. Plus 4 de readiness. 2 de readiness et ouais. Out of AP, c'est parfait. Ils ont fait beaucoup de dégâts. Hein. Ils ont fait beaucoup de dégâts, mes petits mecs là. Ils ont fait beaucoup de dégâts. Ensuite, on continue et on attaque maintenant avec. Là, j'ai du 2,1. Deux points. Et 4,9. 7. Ça devrait aussi passer, je pense. Le danger, c'est ceci, normalement. Et qui est-ce qui a buté se buter tous les deux aux autres. Ah non, c'est un commando. Et c'est mes deux commandos, ça. C'est mes deux commandos. Et donc c'est pas des unités. Oui, j'ai toujours mes 10 unités. Ce sont mes commandos qui sont allés buter ces gens-là, sans doute. Je pense que c'est eux qui auraient dû aller buter ces gens-là. Non. C'est ça qui a été buté. Donc vous autres, vous avez été me faire quoi? Les targets d'aller détonner à 1,250. Mais ils se sont fait buter. Ok. Pas grave. Next. Je dis les commandos, c'est pas le genre de truc qui est hyper important. Par contre, ce qui est important ici, c'est que nous venons de gagner. Et il nous reste même encore quelques AP. Ok. On va donc envoyer
des unités ici aussi. Donc actuellement, j'ai ici 2400 line troops et j'ai 200 RPG militia. Donc 2400 line troops qu'on peut positionner dans nos deux villes. C'est pas énorme, hein, mais 2400 plus 2000 à peu près, ça fait 4300. On peut mettre 4000 personnes. Qui est-ce qui a le plus de monde, là, qui a le plus besoin pour le moment? Donc là, j'ai quand même 150 000 et là, j'ai beaucoup moins, 80 000. 45 de Dresde. 75 d'un reste, nous allons déplacer tout ceci, les bleus avec. Bon, normalement ça devrait passer quand même, on est à suffisamment de cases, je pense. Ouais, tu as 100, aucun problème. Et le brun, ça va être la même chose. Tu viens te renforcer ici dedans. C'est quand même quelques personnes supplémentaires. Parce qu'on n'en a vraiment pas beaucoup. Et ici, on en a encore moins. C'est Fault Range? Non, c'est pas Fault Range, c'est ici Fault Range. Toi, tu viens là-dedans aussi. Je pense pas qu'on puisse se faire attaquer pour le moment. À mon avis, on ne se fera pas attaquer. Toi, tu viens là. Et toi également. Ah. Si tu viens là, eux, ils ne seront plus protégés. Donc, on va pas en mettre là-bas. Est-ce que j'ai du double people ici quelque part? 16 et j'ai le 20 ici. Qu'on pourrait ramener également dans Full Trange. Voilà, ça fait déjà un petit peu plus de monde pour aider à diminuer le reste. On va créer ici une nouvelle unité de... On va regarder ce qu'on fait. Je veux que tu me crées des infanterie, mais tu n'utilises pas, tu ne fais que des line troops et tu fais 1000 de 2400 line troops. Ouais, tu vas me, et ça me coûte chaque fois 2 points. Ok. Ensuite, donc ceux-là ils vont disparaître après, hein. Je ne veux pas les garder. Et il me reste Donc là, 1000, 2000, attends, 3000, 4000. On n'a vraiment pas un grand monde. 1000 là-dedans. 1050, 1500. 2500, 3500, 4500, 5000, ok. Donc encore une ici. De 1400 et raise la formation. Voilà. C'est bon. On va arrêter ça. Nous allons maintenant. Donc je ne les mets pas avec un autre commandant, hein, puisque c'est vraiment du provisoire. Ce n'est que pour de la défense. Et c'est pour ça que j'ai gardé des front one. Et ça devrait être suffisant. On va garder un peu de points. Je vais repasser ici dans les SH ici et on va virer ces mecs là.
On va faire du scrap ici, voilà. Et c'est parti. Je pense qu'on a terminé nos déplacements. Je ne vois pas trop ce que je peux faire de plus pour l'instant. À part se bouger un petit peu, peut-être, à la limite. Et puis revenir ici. C'est tout. Du coup, comme ça, pour juste pour voir un peu ce qui se passe. Et pourquoi pas venir ici aussi et puis redescendre. Voilà. Lancer un médium aircraft. Hein, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de toute façon énormément d'autres choses. Vas-y ma puce. Je sais pas du tout comment on va travailler avec ce truc. Disons qu'on va plutôt faire un fighter. Et on prend celui-ci, le fuel tank, le tunivy et le very small rocket et nos cargo space. C'est exé. Avec 212 km. Ouais. Confirmé. Quelques munitions maintenant qu'on a un petit peu de pognon, enfin de d'IP. On va en faire beaucoup plus. Et est-ce que j'ai créé un... Je voudrais me faire du rail. Est-ce que j'ai du rail qui est déjà lancé? Je ne me rappelle pas. J'ai une rail station. D'accord, on va faire une rail station aussi ici. Il faudra deux tours. Comme je récupère un petit peu de people, donc ça va. Il me faudra un petit peu moins de monde. Un carré K. Et le tour suivant, on commencera à faire des rail head dans, bah, disons ici. À Vilna-Emnitz, celui qui sera le plus intéressant à faire, je crois. Est-ce que mes T sont comment ici? Maintenant, nous avons récupéré quand même tout ceci. Ça nous appartient. Tout l'ensemble ici nous appartient. Donc, je vais... Toi, tu as un hub. Toi, tu n'en as pas. Donc, toi tu viens par là, donc ici en dessous, nous allons dire que nous voulons du pull point vers le bas, oh là. Donc, tu vas venir, donc ce qui vient par ici, ça je vais te débloquer ça, non, pour le moment je ne veux rien voir là-dedans. Donc là, ça fait d'office. Ici, c'est fait d'office. Ici, on ne peut pas venir par là et on ne peut pas aller par là non plus. Donc à la limite, celui-ci, il ne sert plus à rien du tout. Voilà, il n'existe plus. Puisqu'il n'y a rien qui y passera. Ni là, ni là, ni là. Ok. Ensuite, nous avons plusieurs possibilités ici de route maintenant. Nous avons une route directe comme ceci. Celle-là, ça va être ma route principale pour aller là-bas. Cette route-ci, pour le moment, ne sert à rien. Donc, actuellement, j'ai nothing là-bas et j'ai nothing vers le bas. Comme ça. Back. Ensuite,
Là, ça va être pour des armées, donc sur le haut, je ne veux rien non plus. C'est pas la peine d'aller perdre quelque chose là-bas. Toi, Hanson, par contre, tu envoies par ici et tu envoies par le bas. Donc, rien ici sur le tour, puisqu'il n'y a rien à faire. Rien ici à part les pull points, bien entendu. Et donc, on va vi vivre entre ceci et ceci. Là, les pull points. Ici vers le haut, tu n'auras que du pull points aussi. Pour le moment, je ne veux pas construire l'armée par là, donc ça va. Ici vers le bas, là-bas, je ne veux rien. Bien entendu. Hein? Puisque on va l'avoir de toute façon par là ou par là, ça revient au même. Pour le moment, Roslo. Donc là on bloque, là on bloque. On va bloquer par ici aussi. À Oslo, tu me bloques tout par la gauche. Donc tu peux venir m'envoyer des trucs par ici, mais j'ai pas vraiment besoin que tu m'envoies beaucoup de trucs par là. De toute façon, c'est bloqué. Je ne bloque, c'est même pas la peine de faire ça, puisque je bloque tout. À gauche, j'ai même pas besoin de le faire. Pourquoi j'ai pas besoin de le faire? Parce que c'est bloqué déjà ici et c'est bloqué en dessous. Donc, soit il va aller par là, mais par là il n'ira pas. Par ici, il n'enverra que rien du tout non plus, normalement. Mais on ne veut surtout pas qu'il redescende par ici, ça c'est sûr. On veut qu'il fasse ce tour-ci puisque la route est plus facile d'accès. Tu viens là et tu viens là. Ici, par contre, je ne veux pas que ça remonte vers le haut. Boum, je bloque tout vers le haut. Touc, touc. On descend par ici. Nul, rien du tout. Et ici, par contre, entre Wilhelmnitz et Fall Trench, ça va passer sur cette route-ci. Wilhelmnitz va descendre par là-bas. Ok. Et je pense que tout ça, c'est bon. Je peux également, puisqu'à Kareka, je viens de sauver pas mal d'ouvriers, on va quand même se construire ce petit truc ici. Pourquoi pas? N'est-ce pas? Pourquoi pas? Star Construction. Voilà, on a assez de tout ce qu'il nous faut. J'ai 12 machines, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je pense que nous avons terminé. Tout ce que nous avions besoin de faire, j'espère que je n'oublie rien. Je vais sans doute oublier quelque chose, mais au moins on a réglé le problème de l'administration strain. Logiquement, je ne devrais plus en avoir. Ici. 6%, on n'en aura plus normalement le tour prochain. Hein, puisque ça et ça, je l'ai autorisé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, pour le moment, je le prends là, mais après, je le redescendrai sur Hanson de toute façon. Mais on veut d'abord voir si Hanson arrive à travailler avec tout ce qu'il a. Et Hanson, il a dû travailler avec ceci et celui-ci. Et celui-ci en plus. Donc, il a besoin de plein de monde. Je pense qu'on a terminé. Il faut qu'on bouge. Encore une dernière chose, ce sont nos organisations. Puisqu'on a vu qu'on gagnait trop de points à certains endroits. Donc lui, d'ailleurs, tu vas peut-être changer, non? Parce qu'on a trouvé des nouvelles choses. Donc dans l'Economic Council, technologie, tu m'as trouvé quoi en économique maintenant? Le mining technique, le deep core. Le power bank, mais on va continuer ici, donc de toute façon. Là-bas, on a assez avec nos 3 militaires. Tout est bon à ce niveau-là. Ici, on va le continuer. On va prendre ça. Water, on va garder le water, mais je voudrais que tu me le finis parce que il reste quoi? Il reste le deep core mining. Et c'est de là, ce fuel synthétique et cette centralisation. Autant faire ceci plus rapidement.
Je reviens. Alors, je veux 85% me donne 113. Donc, disons que je veux 70, 80%, j'aurais un peu trop, 70% ici, dedans. Ok, 70% call. Priorities. Boum. Je veux 70% à ce niveau aussi, mais il faut d'abord fermer tout ce qui est en bas. Hein? Ok. 70% ou 60, 68% pour faire quelque chose qui n'est pas rond pour une fois. Confirmé. Ensuite, on revient à répertoire. Le staff. Le staff. Quarante-neuf, 74. Donc, on va te laisser comme ça, mec. Mais on changera après, hein, dès que je trouve quelque chose qui m'intéresse plus. On verra. Les militaires, par contre, là, c'est pas bon. On a trop, 130. Et 86. Donc, si je te descends à 50 en recherche et 50 en découverte, call, priorities, 50-50. Voilà. Confirmé. Enfin. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Le modèle design. 79, 34. C'est bon, on continue comme on est là. On a à peu près une bonne moyenne. Hein? On est bien. Il faut 80 normalement pour obtenir ça. On a fait trop. Ouais, il fallait 80. Ok, c'est bon. Le foreign affaires, 92, ça convient. Intérieur council. Le. Tarif, est-ce qu'on a encore besoin de tarifs, nous autres? Pas tarif. Il faudra encore un tarif import, mais je vais diminuer aussi. On va patienter pour eux, parce qu'on ne va pas claquer tous nos points quand même. Ensuite, donc, le service secret. Ok. Et l'applied science qu'il faut que je regarde. Nous sommes à 71 BP. Regardez, comme t'es là, on est parti, on kiki.